Kunjabihari Gopi Janavalapa Irivaratadi Gopi Janavalapa Yasoda Nandana Braja Janaranjana Yasoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Ratha Madhava Kunjabihari Madhava Kunjabihari Gopi Jana Valapa Girivaratari Gopi Jana Valapa Girivaratari Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Ijaya Ratha Madhava Kunjabihari Jaya Raja Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare 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 Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Supadra Devi ki Jai Shri Shri Ratha Govinda ki Jai Shri Shri Ratha Parashishwara ki Jai Shri Shri Nitai Sakti Suta Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharat Shatrudna Yodhya Dhamma ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Goshai ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai, Shri Jagannath Swami Patit Pavana ki Jai, Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai, Shri Shri Guru Parampara ki Jai, Tut Glaho Devas Assembly, Shri Krishna, Tut Glaho Srila Prabhupada, Tut Glaho Srimad Bhagavatam. Om Ajnana Timirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishapanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpata Rubyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalu Nasteva 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 Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Si je ne me trompe pas, on a fait le verset 38 et on est au verset 39. Aussi? Oui. Ok. Donc ce sera 40? Non, 40. 40. Oui, c'est le 40. C'est le 40. Ok. Sasharasannam udyamya mrigayur vanagochara hantyasadhur mrigandinan venosavyarjudhana jana. Traduction. Armé de son arc et de ses flèches, cet enfant cruel se rendait dans la forêt pour y massacrer sans raison d'innocents chevreuils. Dès qu'il apparaissait, les gens s'écriaient « C'est le cruel Vena, il se dirige vers ici !» Tenor est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Les kshatriyas sont autorisés à chasser en forêt afin d'apprendre à tuer un ennemi, et non pour abattre des animaux dans le dessein de les manger ou pour quelque autre raison. Les rois kshatriyas devaient parfois couper la tête d'un malfaiteur qui sévissait dans le pays, et c'est la raison pour laquelle ils pouvaient s'entraîner à la chasse. Mais Vena, ce fils du roi Anga, était très cruel du fait qu'il avait une mauvaise ascendance maternelle. Il aimait à se rendre dans la forêt pour y tuer sans raison les animaux innocents. Lorsqu'il arrivait quelque part, les gens des alentours effrayés s'exclamaient « Voilà Vena, voilà Vena !» Ainsi, depuis son enfance, il engendrait la crainte chez les citoyens. Dans deux versets précédents, nous avons un peu analysé en fait comment l'être vivant reçoit son corps actuel. Et on a dit qu'en fait, il y a plusieurs facteurs qui détermine cette forme. Par exemple, c'est l'état mental ou intellectuel des parents au moment de la conception, les plusieurs rites purificateurs que les parents doivent suivre. Par exemple, dans le verset 39, un des rituels purifiants, c'est quand le mari il donne à sa femme un prasad avant la conception. Donc on peut dire, mais on donne chaque jour, on donne prasad à notre femme. Est-ce que c'est un rite? Oui, en fait, c'est un rite important, purificateur, parce que Le mari, il donne le prasad à sa femme en pensant que ce prasad va pénétrer à l'intérieur de son épouse
Il va purifier son mental et son corps et son ventre. Et en fait, le Seigneur sera présent pendant la conception. Sous la forme de prasad, sera présent aussi. Pas seulement sous la forme de paramatma, mais aussi sous la forme prasad. Hein. D'habitude, c'est des graines au sucre. Par exemple, ça peut être riz sucré, ça peut être un halva, bref, il y a plein de trucs. Vous avez compris, les sucreries, c'est sur les bases de graines. Comme par exemple les cosinards, par exemple, ou autres. Pourquoi ? Parce qu'en général, on introduit un être vivant qui va devenir notre enfant à travers les graines. Okay? Donc, et pour cette raison, en fait, juste avant la conception, le mari il donne à sa femme les graines et lui, il mange aussi. Donc, il mange aussi. Dans le verset 39, on a dit qu'elle était le roi était très miséricordieux. C'est pour ça qu'il a donné un peu de prasad à sa femme par sa gentillesse. Hein. Pourquoi c'est gentil? Shrila Prabhupada explique qu'elle n'a pas mérité d'avoir prasad parce qu'elle avait toujours cet état mental de son père qui restait dans son intellect ou dans son être. En général, en fait, l'état mental s'hérite d'une façon assez drôle, c'est que le père le donne à sa fille, sa fille donne à son fils, le fils donne à sa fille, comme ça. Et le contraire, le père donne à sa fille. La mère ou sa fille, la Voilà. Ah, d'accord. Ok, vous avez compris le principe. Deux fois le père, la fille. Oui, vous avez compris. En fait, vous voyez, comme, ça dépend de couple. En fait, si, par exemple, dans une descendance, c'est la mère qui est dans le couple actuel, donc elle va donner ce qu'elle a hérité de son père et à son fils, et le père va donner ce qu'il a hérité de sa mère. À sa fille. À sa fille, voilà. Donc c'est, voilà. Donc c'est, en général c'est comme ça. Mais vous savez qu'il y a toujours des exceptions. Donc il y a des fois Krishna y participe d'une façon assez radicale et la naissance est très surprise, comme la naissance de Prahlad Maharaj. Ok. Mais quand même là aussi le côté de sa mère. Parce que la mère était une dévote, elle était abritée par Narada Muni, etc. Donc elle a hérité des qualités de sa mère et pas des qualités de son père, Prahlad Maharaj. Donc ici, Maharaj Vena a hérité les qualités de sa mère. C'est pas comme ça qu'on voyait pas la mère dans des actes cruels, etc., etc. Il s'agit de certains désirs. Quand on a des désirs qui ne sont pas réalisés, ces désirs, après, on transmet à nos enfants aussi. Et ils continuent à les réaliser. En fait, toutes nos ambitions, etc., sont héritées par nos enfants si nos enfants ne sont pas conscients de Krishna. Donc, c'est très important, en fait, de... éduquer les enfants dans la conscience Krishna. Voilà pourquoi, dès le bas âge, les parents, à partir de 5 ans à peu près, les parents donnaient leur enfant dans Gurukul. Pourquoi ? Pour que l'éducation ne soit pas
de la part de ses parents, parce que les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils gâtent leurs enfants. Oui, c'est pas grave. Oh, mon enfant, oh non, 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 ne laisse pas le balayer le sol parce qu'il va tomber malade. Oh non, 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 il faut pas qu'il épluche les pommes de terre, il peut se couper le doigt. Oh non, 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 non. Toujours comme ça. Et l'enfant, il devient pourri gâté, comme on dit aujourd'hui. Et lui-même, il pense qu'il n'est il est pas capable de faire quelque chose, etc. Ça rentre dans son intellect. Mais quand, à 5 ans, il est un gourou cool, gourou, il met dans des situations où il n'a pas de choix. Donc, tu n'as pas fait, tu n'as pas mangé. Tu n'es pas à l'heure, tu n'as pas dormi, etc. etc. Donc, hein, hein. Tu ne dors pas. Non, tu ne dors pas, etc. etc. Donc, c'est pour cette raison, Gurukul était vraiment indispensable pour élever les enfants dans la situation de conscience Krishna. Les 100 fils de Dhritarashtra aussi étaient en Gurukul. Ok, et on peut dire oui, mais regarde qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais imaginez s'ils n'allaient pas à Gurukul, ça serait une catastrophe totale. Grâce au fait qu'il était un gurukul, ils ont pu un peu avoir de respect au moins pour certaines personnes de leur famille, d'un âge plus qui était plus âgé, etc. etc. Donc, Maharaj Ven, dès le départ, il était un pêcheur. En fait, qu'est-ce que c'est la définition d'un péché ou d'un pécheur? Krishnadas Kaviraj Goswami explique clairement dans Chaitanya Charitamrita, il dit que chaque acte, même religieux, il est compté comme un péché s'il va contre le service dévotionnel. Vous voyez, même un acte religieux. Donc ça, c'est le, je ne sais pas, tout ce que j'ai étudié dans les livres sacrés, pour moi, ça, c'est la définition la plus pure, plus haute concernant le péché. Toutes les autres définitions de péché, c'est plus light. Hein, par exemple, si certains pensent que si on fait selon les Védas, par exemple, karma, c'est bon, donc il n'y a pas de péché, donc tu fais tout ce qui est écrit dans les shastras, etc. Mais tant que tu écris et tu fais tout ce qui est dans les shastras, mais tu fais pour toi-même et pas pour Krishna, donc ça devient un acte pécheur. Vous comprenez? Donc pour cela, en fait, toujours on doit avoir le top pour qu'on puisse comparer le reste. Toujours on doit avoir dans nos exemples, on doit avoir le top de top. Par exemple, quand on veut dire que quelque chose va très vite, on compare avec la vitesse de lumière. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que pour nous, le top le plus fort, c'est la vitesse de lumière. OK? Tout le reste est comparé. Par exemple, si tu dis, voilà, la voiture, elle est à 200-250 km/h, ben, tu dis, oui, mais par rapport à la vitesse de lumière, c'est lent. Pareil, en fait, cette définition de Krishnadas Kaviraj Goswami est vraiment la définition la plus haute pour que tout le reste soit bien comparé. Sinon, on pense que, par exemple, les actes dans sattva, ce sont des actes innocents. Quand on est dans sattva, on ne commet pas les péchés, etc. C'est pas comme ça, parce que si sattva guna était ok, Krishna ne dirait pas à Arjuna, essaye de sortir de l'influence de 3 gunas. Il disait, sort de l'influence de 2 gunas. Donc tous les 3, en fait, nous mettons dans une situation où on va pécher. Maharaj Vena, dès sa naissance, il avait ses qualités de pêcheur. Tout ce qui, tout,
tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il voulait, tout était contre Krishna. Contre la société, contre les règles, contre... Donc, il vivait comme un pur démon. Hein? En fait, le principe de mentalité de démon, c'est comme ça. En fait, monde existe parce que j'existe. Ok, les chaises doivent être blanches. Pourquoi? Parce que c'est moi qui dis. Hein? Tout ce que je dis, c'est la vérité absolue. Pourquoi? Parce que c'est moi qui dis. Okay? Quand tu dis, mais Krishna, Dieu, la personne suprême, dit comme ça, il dit peut-être, il dit ça, mais moi, je dis c'est comme ça. Ça, c'est la mentalité pure d'un être démoniaque. Okay? Des fois, ce genre de personnes dans la société actuelle sont vues comme des personnes très avancées, très humanistes, héros de la société, etc. Mais ce sont des purs êtres démoniaques, même s'ils sourient à tout le monde, ils serrent les mains, ils font des actes de charité ou autres, c'est des actes pur démoniaque. Donc, une autre qualité de Maharaj Vena qui était vraiment horrible, c'était sa cruauté. En fait, la cruauté, c'est un sentiment qui va à l'encontre de la compassion. Vous avez compassion, comme blanc par exemple, et la cruauté comme noir. C'est totalement différent. Celui qui montre en fait la cruauté, ça signifie qu'il a pas du tout la compassion. Donc en réalité, les shastras disent que personne ne peut être ne peut avoir la compassion s'il n'est pas un dévot de Krishna. Pourquoi c'est comme ça? Parce que, en fait, la cruauté s'accumule en nous, si on n'est pas dévot de Krishna, ça s'accumule, et dans différentes conditions, ça commence à se montrer tout de suite. Par exemple, dans la vie ordinaire, quand on voyage dans le transport public, tout le monde dit « Ah, pardon, excusez-moi, etc. » Mais quand il y a les jours de grève, des trucs comme ça, les gens se bousculent, ta gueule, etc. Des trucs comme ça, tu vois. Tu dis « Mais c'est les mêmes gens. Pourquoi ils sont devenus aussi cruels? Ils se bousculent, etc. D'où cette cruauté arrive, en fait, cette cruauté est dans l'homme. Mais ça se manifeste seulement quand les circonstances, en fait, se présentent. En fait, la cruauté, c'est pas, ce n'est pas un acte de violence juste. Par exemple, on peut dire que Arjuna aussi était cruel, ou Krishna, il est très cruel parce qu'il a coupé la tête à Shishupal. Il est très cruel. Non, en fait, la nuance de cruauté, c'est que nous faisons un acte, et en faisant mal à quelqu'un, on se jouit, on jouit. Par exemple, dans les films, vous voyez, les méchants, ils mettent quelque chose, par exemple, ils attachent le héros et devant ses yeux, on commence à tuer ses enfants, etc. Pourquoi? Parce qu'ils prennent plaisir en faisant mal à quelqu'un. C'est ça la cruauté. Parce qu'ils jouissent de ses actes. S'ils pensent que tu es mon ami, ils te tuent, c'est basta, c'est pas la cruauté, c'est tamas. Mais quand tu commences à prendre plaisir, couper un petit morceau, ça c'est la cruauté. Ou par exemple, tu vois que les gens souffrent,
il leur manque l'oxygène, tu leur obliges de mettre des masques et autres. Ça, c'est cruauté aussi, en voyant que les gens souffrent déjà. Donc, et tu prends plaisir, parce que oui, tout le monde doit obéir, tout le monde doit... Donc, et Maharaj Vena, quand il était petit, donc, il allait dans la forêt et il tuait les animaux sans aucune nécessité. À l'époque, les Kshatriyas, ils tuaient les animaux dans la forêt, mais pas n'importe quel animal. Hein. Par exemple, il y avait des zones dans lesquelles il y avait des ashramas des sages, et presque tous les jours, ils faisaient la garde, ils tournaient dans cette zone pour voir s'il n'y a pas des tigres dans cette zone-là qui réactivaient. Parce que quand les animaux savaient que les kshatriyas tournent dans cette zone tous les jours, ils avaient peur de se rendre là. Par exemple, vous voyez, à Paris, on ne trouve pas les loups et les tigres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur d'entrer. Ils savent qu'il y a toujours du monde, etc. Pareil, les kshatriyas, ils faisaient des tours. Et s'ils voyaient, par exemple, les cerfs qui pouvaient... je ne sais pas comment ça se dit en français. En palais ? Quand les cerfs faisaient... Badats. En palais, donc, je dirais. En palais, oui. Voilà, quand il frappait les sages qui étaient en méditation, ou les tigres, ou les, je ne sais pas, les serpents, ou les singes ou autres, qui étaient très agressifs et ils dérangeaient la vie des ashramas, donc il faisait des tours et il tuait ces animaux. Okay. Comme ça, en même temps, il s'entraînait pour la guerre et pour la discipline dans leur pays, mais en même temps... Donner le coup de corne. Ouais. Encore. Bref. On dit on va aller avec un cercle. Bref. Et comme ça, en même temps, ils libéraient en fait cet endroit pour que les sages ou les ermites puissent vivre en paix, plonger dans leur méditation. Mais Maharaj Vena, il allait dans ces endroits ou autres, et il tuait sans aucune nécessité, il tuait les animaux, justement pour se faire plaisir. Donc ça, c'est la cruauté. On lit le 41. Verset 41. Il était si cruel que lorsqu'il jouait avec les jeunes garçons de son âge, il les tuait impitoyablement à la manière d'un boucher. Verset 42. Devant les agissements cruels et inhumains de son fils, le roi Anga lui infligea diverses punitions pour le corriger, mais il ne put lui faire adopter la voie du bien. Et il en fut profondément affligé. Donc, vous voyez, en fait, sa cruauté a été démesurée. Donc, même quand il jouait avec ses amis, les enfants, il les tuait en vrai. Vous voyez, à tel point, il ne se rendait pas compte qu'est-ce que c'est un être vivant, qu'est-ce que c'est les bonnes manières ou je ne sais pas, etc., etc. Donc, parce qu'un enfant, normalement, dès qu'il est né, dès sa naissance, les parents essayent de lui donner une certaine éducation de comportement vers les adultes, vers les petits ou égaux, etc. Mais il était complètement négligent par rapport à tout ça. Pour lui, le plus important, c'était son plaisir. Et comme nous avons dit précédemment, c'est que ça, c'est une forme la plus grave, en fait, de péché. Quand on pense que le plus important dans notre vie, c'est le plaisir. Si on vit pour le plaisir, en fait, le plaisir, comprenez bien, par exemple, même ne pas souffrir, c'est désirer un plaisir. Par exemple, laissez-moi la paix.
Ça aussi, c'est une forme de plaisir. Laissez-moi tranquille. Tout ça, c'est des diverses formes de plaisir. Jusqu'au brahman impersonnel, ça aussi, une forme de plaisir, mais parce qu'il est lié à Dieu, la personne suprême, ce n'est pas un plaisir matériel. Okay? Donc, Maharaj Anga, qui était par sa nature quelqu'un juste, qui pensait toujours à ses subordonnés, etc., à son peuple, il essayait de ramener en raison, mais très vite il a compris que ce garçon, on ne peut pas le transformer. Des fois, on compte sur l'éducation. Je me souviens quand je travaillais dans l'école publique, il y avait toujours un garçon comme ça, et tu l'essayais et punir, et je ne sais pas, donner de la responsabilité, et comme ça, et comme ça, et comme ça, ils ne changeaient pas. C'était leur nature. Il fallait juste utiliser leur nature pour quelque chose. Mais quand tu ne savais pas où utiliser ça, bah, des fois, par exemple, je le mettais pour qu'il surveille le silence dans la classe. Voilà, là, il tournait. Dès que quelqu'un faisait quelque chose, il disait « Oh, c'était toi !» Je le mettais en service, en fait, ses qualités. Comme ça, il était content. Et je dis « Tu restes comme ça, tu dis rien, tu regardes tout le monde. » Comme ça, il ne faisait pas des bêtises, il regardait comme ça. Mais Maharaj Anga ne savait pas où appliquer sa cruauté ou utiliser ses cruautés. Donc, et très vite, il était complètement déçu et il ne savait pas quoi faire. Donc, comme on va comprendre, en fait, dans les cas pareils, on doit compter sur la culture. Parce que la culture qui vient de Krishna, en fait, c'est une forme de bouée de sauvetage, en fait. Par exemple, la religion aussi fait partie de culture. La religion est différente de bhakti, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'en réalité, bhakti, c'est transcendantal, tandis que la religion fait partie de la culture. Par exemple, la culture brahmanique aussi fait partie de la culture. Les Védas, c'est la culture. Voyez. Seulement le service dévotionnel qui est au-delà de la culture. Mais quand même, Krishna donne la culture sous diverses formes, sous la forme de connaissances, sous la forme de la religion, etc. Il donne cette culture sous la forme des rites brahmaniques, etc., des traditions brahmaniques, pour qu'on puisse intervenir en cas de nécessité. Vous voyez, et là, plus tard, on va voir que quand le roi n'était plus apte de corriger son fils, donc c'est les brahmanas qui sont intervenus en utilisant leur culture. On va en parler de ça plus en détail. Le verset 43. Verset 43. Telle fut alors la pensée du roi. Ceux qui n'ont pas de fils sont assurément bénis par le destin. Ils ont dû offrir un culte au Seigneur dans leur vie passée pour lui demander de ne pas avoir à connaître la peine insupportable causée par un mauvais fils. Verset 44. Quand un homme a un fils souillé par le péché, il perd sa réputation. Dans son foyer, les actes impies d'un tel enfant entraînent l'irreligion et suscitent des querelles entre tous. Il en résulte une anxiété qui ne connaît pas de fin. 45. Verset 45. Quel homme avisé et intelligent désirerait avoir un pareil fils, indigne de son père ? Un tel enfant ne fait qu'enchaîner l'âme à l'illusion et la vie de famille devient alors un supplice. Merci.
Donc, dans le verset 43, roi Anga, il dit que celui qui n'a pas eu des enfants, il a de la chance. C'est toujours le principe de ce monde matériel. Celui qui n'a pas de femme, il désire avoir la femme. Celui qui a déjà une femme, il dit « Oh, c'était bien quand il n'y en avait pas. » Celui qui n'a pas d'enfant, il souffre, il dit « Oh, c'est dommage, je n'ai pas d'enfant. » Dès qu'il a des enfants, il commence à se prendre. « Oui, c'est un enfer, c'est infernal, c'est horrible, etc. » Quand il est au chômage, il dit « Oui, je n'ai pas de travail. » Dès qu'il va au travail, il dit « Ouais, c'est insupportable, je suis fatigué, je suis crevé. » Jusqu'au moment où il devient un pur dévot de Krishna, il dit tout est la miséricorde de Krishna. Là, vous allez voir qu'en fait, Maharaj Anga a compris ça plus tard. Bon, après, pas plus tard, mais après, il a compris que en réalité, tout est la miséricorde de Krishna. En réalité, les enfants font notre suite, c'est la suite de notre identité. Hein. C'est pour ça que dans le verset 44, Maharaj Anga dit que le mauvais fils, il fait une mauvaise réputation pour sa famille. Par exemple, quand notre enfant est alcoolique, par exemple, tout le monde dit « oui, c'est le père de cet alcoolique ». Le père de cet alcoolique, c'est égal que toi aussi tu es alcoolique. Quand on dit, ah oui, c'est un Hare Krishna, son père est Hare Krishna aussi, apparemment. Bon, c'est vrai, mais... c'est toujours... en fait, c'est une honte pour la famille et les parents ne savent pas comment se débarrasser de ses enfants. C'est trop compliqué parce que... certaines, par exemple, ils chassent de la maison et la situation devient encore pire parce que tout le monde leur dit « Voilà, votre fils est mauvais parce que vous l'avez chassé de chez vous, vous n'avez pas pris de soin, vous l'avez chassé de la maison, etc. » Ils le reprennent et après ça devient encore pire et il dit « Voilà, maintenant, ils m'ont repris, ils ne vont pas oser me... » mais dehors encore une fois, il devient encore pire et la vie devient infernale. Donc, et ce qui est intéressant dans verset 43, Maharaj Anga dit, c'est que celui qui a la chance et il n'a pas eu des enfants, c'est parce qu'ils ont adoré Seigneur Vishnu dans leur vie précédente. C'est pour ça qu'ils sont libres maintenant et tranquilles. Et moi, parce que j'étais pas un dévot à l'époque, donc dans mes vies précédentes, maintenant, comme punition, Krishna m'a envoyé ce fils. Après, il retourne dans le passé, quand il n'avait pas de fils, il disait, mais Pourquoi j'ai eu ce désir pour avoir un fils? Pourquoi je voulais ce désir? J'avais ce désir d'avoir. Est-ce qu'un homme normal voudra avoir un fils? un fils comme ça. En fait, par ça, il voulait dire que ce n'est pas que je voulais juste un fils. Hein? Parce que j'ai eu ce fils, donc c'est ma faute. Ça veut dire j'ai voulu avoir ce fils, c'est pour ça que Krishna m'a donné ce genre de fils. Donc, il l'accuse lui-même. Et il dit que un fils comme ça peut transformer la vie de famille en enfer complet. Verset 46. Mais le roi pensa alors, à vrai dire, il est préférable d'avoir un mauvais fils, à vrai dire, il est préférable d'avoir un mauvais fils,
car un bon enfant fait naître chez l'homme un attachement pour son foyer. Avec un mauvais rejeton, au contraire, la maison devient un enfer et l'homme d'intelligence s'en détache naturellement sans mal. Mmh. Vous voyez, là, il commence à Maharaj Anga, il commence à raisonner comme un dévot. Il pense que finalement, avoir un mauvais fils, c'est mieux qu'avoir un bon fils. Parce que quand on a des bons enfants, etc., on s'attache à cette vie matérielle, on met moins de temps pour étudier les Védas, chanter avec Krishna, faire service dévotionnel, etc. Et plutôt, on prend plaisir de je ne sais pas, faire les week-ends, les pique-niques avec nos enfants, aller dans la forêt, ramasser les fleurs, machin, etc. Et on s'attache à une vie très rose, etc. Mais en fait, le mauvais fils, c'est encore mieux parce qu'il arrive et il casse ses rêves roses. Et après, on commence à dire, et il transforme notre vie en enfer. On dit, quand est-ce que je vais mourir pour que cet enfer soit fini? Et on n'a plus de désir matériel, sauf que juste un seul désir, que ça finisse le plus tôt possible. Vous voyez, on n'a plus de projet d'avoir ceci, d'avoir cela, de gratifier nos sens ou autre. Vous voyez, seul truc qu'on veut, que ça s'arrête, c'est tout. Vous voyez. Donc, et il dit ici que, en fait, si le père est intelligent, donc pour un père intelligent, ce genre de fils va lui aider de changer sa vie à une vie renoncée. Ça veut dire que ça va lui pousser vers le renoncement. Si le père est assez intelligent. Et ça c'est très important à comprendre. Beaucoup de choses dans notre vie changent leur sens, surtout dans le monde matériel. Si on change notre attitude envers cette chose. Okay. Là, vous voyez, deux versets avant, Maharaj Anga avait une attitude dans laquelle, selon laquelle le mauvais fils était mauvais. Et dès qu'il a changé son attitude vers le même phénomène, tout de suite, le même phénomène est devenu positif. Donc, en réalité, la vie matérielle, c'est une vie de dualité. Rien n'est à 100%, c'est 50-50. Tout est relatif. Et le dévot, un pur dévot de Krishna, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ce phénomène de relativité. Ce phénomène de relativité, il l'utilise pour le service dévotionnel. Okay? Comme là, vous voyez, comme Maharaj Anga, il a pris la bonne position, il a profité de ça. Le verset 47. Verset 47. Ayant ces pensées en tête, le roi Anga, qui n'endormait plus la nuit, se désintéressa complètement de la vie de famille. Finalement, une nuit, il se leva et quitta la mère de Vena, son épouse, qui dormait profondément. Son royaume prestigieux avait perdu pour lui tout attrait. Il abandonna son opulence et sa demeure sans faire le moindre bruit et sans que personne ne le voie. Puis il gagna la forêt. Merci. Donc, faites attention, c'est que le fait que Maharaj Anga est parti de la maison, ce n'était pas seulement parce que il en avait marre de son fils. Il y a une autre nuance importante, c'est que
Il voyait qu'en qualité de roi ou en qualité d'empereur, il n'accomplit pas ses devoirs. Il n'arrive pas à accomplir ses devoirs. Par exemple, mettre à sa place son fils pour protéger le peuple, protéger ses subordonnés, etc. Et quand le roi il voit qu'il n'est plus capable d'assumer ses responsabilités, il doit quitter le trône ou déléguer le trône à quelqu'un d'autre. Donc ici, Maharaj Anga, il a vu en fait qu'il n'arrive plus à assumer ses responsabilités parce que son fils, il n'avait aucune influence sur son fils et il ne pouvait rien faire. Donc, il a compris qu'il faut partir. Pourquoi il est parti en cachette? Parce que s'il disait ça, par exemple, après-midi, devant tout le monde, disait, voilà, je prends la décision de partir, il y aura des contre... Des contre-arguments, non, il faut laisser, voilà, parce que si tu pars, qui va s'occuper de... Déjà, avec toi, on n'arrive pas à le dresser, sans toi, ça sera encore pire, etc., etc. Donc, il serait obligé de rester. Mais il savait que même s'il reste, rien ne changera. Donc, c'est pour ça qu'il s'est levé et il est parti. En plus, après, quand on a commencé le chercher, dans les versets suivants, vous allez voir, c'est qu'on a trouvé nulle part. Mais aussi, Maharaj Anga était déterminé pour s'abandonner complètement à Krishna et laisser toute autre forme de vie matérielle, et il est allé en vivre en ermite. Verset 48. Lorsqu'on s'aperçut que le roi avait tout quitté avec la plus grande indifférence, tous ses sujets, ses prêtres, ses ministres et ses amis en conçurent une profonde tristesse. Ils entreprirent alors de le chercher par toute la terre, tout comme un yogi sans grande expérience essaie de découvrir l'âme suprême. Verset 49. N'ayant trouvé aucune trace du roi malgré toutes leurs recherches, ils étaient tous fort désappointés et retournèrent dans la ville où tous les grands sages du pays s'étaient rassemblés pour la circonstance. Les larmes aux yeux, les sujets du roi offrirent leurs hommages respectueux aux sages et leur expliquèrent avec force, détail, qu'ils ne trouvèrent le roi nulle part. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 13e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « La descendance de Dhruva Maharaj ». Donc, dans le verset 48, Maitreya Muni dit que le roi Anga est parti sans aucun regret. En fait, cela veut dire qu'il était tellement déterminé, que rester encore là n'a aucun sens. Il était complètement déterminé. Et autrement aussi, c'est que il n'y avait rien qui lui attachait ni à sa famille, ni à son royaume, ni à son fils, bien sûr, ni aux gratifications des sens. Donc, c'est pour ça qu'il a quitté sans aucun regret. Okay. Autre chose, c'est que le lendemain matin, quand ses subordonnés ont vu que Maharaj Anga n'est pas là, donc ils se sont
jeter, de chercher partout. Et après, quand ils n'ont pas trouvé, ils sont venus, ils ont commencé à pleurer. Avec les larmes sur les yeux, ils ont commencé à pleurer parce qu'ils n'ont pas trouvé Maharajanga. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le roi Anga était un bon roi. C'est pour ça que ses subordonnés l'aimaient beaucoup et pour eux, c'était une énorme perte. Son absence était une énorme perte et ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils savaient aussi qu'automatiquement, après la disparition de Maharaj Anga, automatiquement, Vena, le prince, il va prendre le trône de son père. Donc, si, sans être un roi, il était aussi cruel et il faisait n'importe quoi, maintenant, imaginez, quand une personne pareille prend le trône, donc ça sera une triple cruauté. Voilà. Et encore en détail, c'est que Madreña nous dit que par rapport parce que ils ont vu que le roi est parti, tous les sages de pays se sont réunis. Ça c'est important. Donc comme ça, on va répéter une chose qu'on a déjà discutée, que en fait les kshatriyas, les rois, ils régnaient sous la surveillance des brahmanas. C'est pas les brahmanas qui lui disaient comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela, etc. Juste, ils étaient à côté de roi. Quand roi il régnait, il juste observait. Et après, quand il voyait que roi il fait des bêtises, il disait stop. Ça, t'as pas le droit parce que tel shastra et tel shastra dit que tu peux pas le faire. Ok, c'est comme ça. Ils arrivaient pas en disant roi. Donc, c'est comme ça. Demain, tu vas dire au peuple ça. Après, demain, tu vas faire la guerre. Non. Il ne se mêlait pas à la direction. C'est le roi qui dirigeait. Sauf, les sages étaient toujours à côté. Ils regardaient pour que le roi ne fasse pas des choses contre les shastras. Et là, dès que le roi est parti, et comme on a dit, il y avait la nouvelle idée de mettre Maharaj Vena au trône, parce que c'est selon les Védas. Mais les sages, quand même, se sont réunis immédiatement pour prendre une décision comment ça va aller. Ça va? Vous n'êtes pas fatigué? On peut continuer? Oui? Ok. Ok, donc, chapitre 14, verset 1. Chapitre 14, verset 1. Matriya, le grand sage, poursuivit en ces termes. Excusez-moi. Matriya, le grand sage, poursuivit en ces termes. Ô Vidura, noble héros. Les grands sages, conduits par Bhrigu, toujours soucieux du bien-être du monde, virent qu'en l'absence du roi Anga, il n'y avait personne pour protéger les intérêts de la masse des hommes. Ils savaient que sans dirigeants, les citoyens deviendraient indépendants et indisciplinés. Merci. Donc, vous voyez, quand on a un bon dirigeant, un bon roi, qui est surveillé par les grands sages, le peuple ou les gens ordinaires, ils regardent toujours les autorités. Par exemple, si l'autorité il fume, tout le monde fume, parce que l'autorité fume. Si l'autorité il mange des kebabs, il mange aussi. Donc,
Il suit en fait l'exemple de l'autorité. Et au moment quand il n'y a plus d'autorité, le peuple ou les gens ordinaires, ils n'arrivent plus à contrôler ses sens. Parce que, en général, pourquoi on contrôle les sens si on n'est pas les dévots? On contrôle nos sens parce qu'on a peur d'être puni, on a peur d'être tombé malade, ou perdre notre richesse, ou on a peur de se priver des gratifications des sens. C'est pour ça qu'on essaye contrôler nos sens si on n'est pas les dévots. Quand on est un dévot de Krishna, on essaie de contrôler nos sens pour lui faire plaisir. C'est complètement différent, vous voyez. C'est pas la même, c'est pas le même motif. Donc, et les sages qui se sont réunis, qui pensent toujours aux autres, en fait, ça c'est les qualités de sages. Les qualités de sages, c'est pas d'avoir une longue barbe blanche, avoir 300 ans et dire oui. La sagesse, c'est qu'il voit le futur, il voit le futur et il pense toujours à un homme ordinaire pour qu'il puisse être protégé et qu'il ne déraille pas de vraie direction, de bonne direction. Et il savait que s'ils ne seront pas dirigés, donc le peuple ne va plus suivre les règles et les prescriptions de religion et de l'État non plus. En fait, les sages pouvaient incliner la candidature de Maharaj Vena en disant... Décliner. Il pouvait décliner en fait la candidature de Maharaj Vena en disant qu'il n'a pas des qualités d'un roi. Il pouvait le faire, mais il fallait mettre quelqu'un d'autre. Ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Suspense. Verset 2. Alors les grands sages firent appeler Sunitha, la reine mère, avec sa permission. Ils mirent Vena sur le trône et le sacrèrent roi du monde. Néanmoins, tous les ministres désapprouvèrent cette décision. Vous voyez, en fait, les sages, ils ont proposé mettre Vena au trône, ok? Parce qu'ils savaient que mieux avoir un roi comme Vena que ne pas avoir un roi. Parce que au moins, un roi fait peur aux bandits, aux brigands et criminels. Vous voyez ? Au moins, il essaye de garder un petit système. Okay ? Vous savez, même en Kali Yuga, quand le gouvernement devient complètement... bandits fascistes, criminels, autoritaires, dictateurs, etc. C'est toujours mieux que l'anarchie. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens vont inventer leur propre loi et ça va amener aux querelles sur la petite échelle. Par exemple, quand il y a une dictature, c'est une querelle ou c'est un antagonisme sur la grande échelle. Okay? Il y a le peuple et il y a le gouvernement. Donc, c'est une seule échelle, une seule plateforme d'antagonisme. Mais quand il n'y a pas de gouvernement du tout, il n'y a aucune gérance, ça descend en fait, cet antagonisme descend sur les petites échelles. Par exemple, le 18e commence à attaquer le 19e. Dans le même 18e,
ceux qui habitent à côté de Franprix, ils commencent à ne pas laisser ceux qui habitent à côté de Carrefour City, Paris Store. Ils commencent à saboter les livreurs, etc. etc. Vous voyez, et ça devient ça veut dire que c'est une anarchie totale parce que l'antagonisme descend sur la petite échelle. Donc ça, c'est les sages, ils étaient au courant de ça. C'est pour ça qu'ils se sont adressés à Sunita, la mère de Maharaj Vena, et ils ont demandé son accord. Pourquoi, en fait, ils ont demandé leur accord? Parce que les parents, tant que les parents sont vivants, selon les principes védiques, tant que les parents sont vivants, ils doivent toujours donner leur bénédiction et leur autorisations, leur accord pour telle ou telle chose. Surtout quand ça concerne ses enfants. Par exemple, si un enfant voulait se marier, donc absolument, c'était nécessaire d'avoir l'accord de ses parents. Okay? Bon, pas seulement les parents, les gourous aussi. Par exemple, si les parents n'étaient pas là, donc c'était l'accord de gourou ou d'une autorité ou autre. Toujours, il voulait absolument avoir cet accord. Et voilà pourquoi les sages se sont adressés à Sunita et Sunita a donné son accord et comme ça, ils ont trôné Maharaj Vena qui a pris ils ont intronisé et il a pris le pouvoir sur toute la terre. Toute la terre était sous sa direction. Mais aucun des ministres de Maharaj Anga qui était là, aucun de ces ministres, il n'était pas d'accord. Parce qu'il connaissait bien Maharaj Vena et il ne savait pas comment ils peuvent en fait travailler ou à assurer leur rôle sous la direction de Maharaj Vena. Okay? C'était impossible parce que, par exemple, tu es ministre de l'éducation, tu sais qu'il faut ça, des livres comme ça, les Védas comme ça, etc. Et du coup, Maharaj Vena peut venir et dire, ça c'est de n'importe quoi, jetez ça, vous prenez ce livre-là. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc, ça veut dire que les ministres ne pouvaient plus faire leur travail. Okay? Faire ce qui est sous leur responsabilité. Okay? Verset 3. Vena était déjà connu pour son esprit. Vena était déjà connu pour son esprit tyrannique et sa cruauté. Aussi, dès que les voleurs et les brigands du pays apprirent son accession au trône royal, pris d'effroi, ils se cachèrent un peu partout avec autant de hâte que les rats fuient les serpents. Donc non. Finalement, on a aujourd'hui traité ce sujet. On a traité ce sujet. Et en effet, un roi comme Vena, il n'est pas contre qu'il y a des bandits, il y a des criminels. Il n'est pas contre. Seule chose qu'il veut, qu'il le fasse tout sous son accord. Vous voyez ce qui est extraordinaire. Par exemple, nous, on pense que je ne sais pas quoi, etc. Non, ils ne sont pas contre. Ils veulent que partout il y a des bandits, etc., mais qu'il agisse sous sa direction, qu'il soit obéissant, qu'il l'obéisse. C'est la seule chose qu'ils veulent. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils veulent qu'il n'y ait pas de bandits ou de voleurs ou de mafias. Si,
On doit avoir la mafia, mais le chef de cette mafia, ça doit être moi. Et tout le monde doit m'obéir. C'est simple. Ok, Hare Krishna. Donc on va étudier le reste dimanche prochain. Si vous avez des questions, des commentaires. Vas-y, si tu veux. Vas-y. Non, vas-y. C'est pas la question. Ah, ok. De ce que je comprends, en fait, c'est que en fonction des types de corps, en fonction des corps des personnes, des personnalités, des corps subtils, etc., on va avoir différents types de sensibilité. Par exemple, les Yamadout, ils souffrent pas quand ils torturent les gens. Mm-hmm. Ils se disent pas, oh le pauvre, il est en train de souffrir, etc. Pour eux, c'est complètement normal. Et en fait, comment réagir lorsque il y a des personnes en fait démoniaques qui sont sur cette terre et qui prennent du plaisir en fait à faire souffrir les autres. Des fois, on croise par exemple dans les faits, on regarde les faits divers des journaux. Et on voit une petite fille de 12 ans a tué sa camarade avec des coups de couteau, je ne sais pas, dans la forêt. Et on est complètement ahuri, en fait. On se dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'une petite fille, elle puisse avoir cette tendance? Et qu'en fait, pour elle, c'est quelque chose de en fait, elle, normal. Elle ne se rend pas compte, en fait. Donc, en fait, comment réagir, comment comprendre et comment aider ces personnes? Déjà, commençons par les Yamadout. En effet, les Yamadout, c'est des gens spéciaux qui ont une nature comme ça. Si, par exemple, si tu n'as pas cette nature, tu ne peux pas occuper le poste d'un Yamadout. Il faut avoir ce genre de nature. En fait, c'est pas parce que tu n'as pas de compassion ou autre, tu vois, c'est que tu les tortures, tu dis voilà, c'est par les sentiments de compassion, comme ça, tu vois, tu voudras jamais faire un péché parce que tu vas se souvenir de toutes ces tortures, tu vois. Et les Yamadouta, ils sont bien instruits là quand on va étudier l'histoire de Ajamila, on a déjà étudié, non? Non. Je ne me souviens plus. Donc, en fait, dans l'histoire d'Ajamila, on voit que les Yamadout sont bien instruits, ils connaissent les règles, les prescriptions, ils connaissent bien les shastras, etc. Et ils sont les assistants de Yamaraj. Donc, ils le font, mais ils n'abusent jamais. Ça veut dire, c'est pas comme ça que un pêcheur a mérité 3 coups de pied, je lui donne 10, okay, 3 pour ce qu'il a mérité et 7 pour plaisir. Ils n'abusent pas, en fait, leur pouvoir, leur position, leur pouvoir, ils n'abusent jamais. OK? Mais dans les gens qui ont ce plaisir, en fait, de torturer les gens, etc., faire souffrir les gens, donc, c'est une catégorie des gens qui se trouvent sous l'influence forte de Rajaguna. Parce que, en fait, c'est le principe « je me sens mieux quand tu te sens mal ». Okay? Il y a des gens qui ont tout. Ils ont tout pour dormir, manger, etc. Ils ont beaucoup d'argent, toutes les possibilités, etc. Mais ils ne supportent pas que les autres ont la même chose. Ils ne supportent pas que les autres peuvent être heureux, etc. Ils ne supportent pas. Quand ils voient les gens heureux ou contents, etc., ça leur énerve. Et ça, c'est une des qualités de Rajas, en fait.
C'est une autre forme d'intolérance. C'est une autre forme d'intolérance. L'intolérance, ce n'est pas seulement c'est que je ne te tolère pas parce que tu es différent. Je peux ne pas tolérer parce que tu es pareil. Tu vois, tu ne dois pas être pareil, tu dois être différent, mais plus bas que moi. C'est une autre forme d'intolérance. Et en fait, faire souffrir les autres, en fait, c'est une nature. Donc, prendre un plaisir quand quelqu'un souffre. Okay. En plus, quand c'est moi qui fais souffrir, donc j'ai 100% la sûreté que ce n'est pas moi qui souffre. Et c'est lui qui souffre, ce n'est pas moi. Des fois, on voit que les gens psychiquement, comme on dit psychiquement instables, etc., ils torturent par exemple les femmes parce que quand ils étaient petits, leur mère leur torturait, ou je sais pas, des trucs comme ça. Voyez. Ça existe, mais c'est pas que ça. En fait, il y a des choses qui viennent de notre nature, parce qu'on a l'influence de Rajas, Tamas ou Sattva ou autre. Mais aussi, il y a un autre phénomène. Quand quelqu'un fait des choses d'une façon complètement démesurée, comme par exemple il y avait 15 ans, il y avait un garçon qui avait 12 ans, il s'est levé la nuit, il est allé dans la cuisine, il a pris un couteau, il est allé dans la chambre de ses parents, il a tué les deux, il a poignardé les deux à mort, après il est allé dans la chambre de sa petite sœur, il a poignardé aussi, il a posé le couteau dans la cuisine et il est allé dormir. Ça ne s'explique pas d'une façon de la nature. Ce n'est pas la nature, c'est la nature de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Vous voyez, c'est voilà. Parce que si c'était sa nature, on devait avoir des effets précédemment. Des symptômes précédemment. Mais selon la description des gens qui connaissaient, des maîtresses d'école, etc., c'était un garçon complètement simple, gentil, calme, etc., etc. Okay. Bien sûr qu'aujourd'hui, la science moderne n'accepte pas qu'il y a l'âme, il y a le corps subtil, etc., etc. Il n'accepte pas ça. Et il commence à fabriquer des théories, etc. Mais pour nous, c'est tout simple. C'est une autre personne avec son corps subtil qui est rentrée dans cette personne et il a causé tout ça. On ne sait pas pour quelle raison. Ça peut être pour se venger et ça peut être juste pour le plaisir. Souvent, ça se passe comme ça. Par exemple... Pour leur plaisir, ils peuvent torturer les autres. Par exemple, ils rentrent dans le corps de quelqu'un et puis ils l'amènent au, je sais pas, 15e étage et ils le poussent à se jeter. Et quand ils se jettent, en fait, la personne est morte et eux, ils ont fait comme à Disneyland, comment ça s'appelle ? Des grands vides. Pour lui, c'est une attraction. Après, il trouve quelqu'un d'autre, il rentre dedans et après, encore. Ça, c'est une attraction gratuite. Donc, il prend le plaisir de ses sentiments, en fait, que la personne vit. Parce que quand on rentre, quand quelqu'un, dans son corps subtil, rentre dans le corps grossier de quelqu'un d'autre, en fait, il y a une synchronisation de ces deux corps subtils et grossiers aussi. Par exemple, ton mental... et accordé avec son mental. Tout ce qu'il pense, tu penses que c'est toi qui penses aussi. Tout ce que tu penses, lui aussi, il pense que c'est lui qui pense. Mais j'ai eu des cas comme ça, des gens, et en fait, quand vous regardez les pupilles, vous voyez tout de suite, là, c'est cette personne qui est active, et puis hop, elle part, et la personne...
le propriétaire de ce corps qui... Voilà. Et après, hop, hop, c'est l'autre qui a pris le dessus. Vous voyez ? Chaque fois, c'est l'un ou l'autre qui prend le dessus ou la possession de corps. Et ça, ça se voit dans les pupilles. Bon, ce n'est pas un sujet pour, pour parler tard le soir, mais... Non, je vais bien dormir. Il va regarder dans les yeux. Non, ça va. Bon, en rentrant, cache tous les couteaux de cuisine. C'est pour éviter qu'elle cuisine tard que je les cache. Donc, il y a différentes possibilités. Mais en général, il y a ces deux cas. En fait, quand c'est quelqu'un d'autre ou c'est ta propre nature. Mais en tout cas, dans les deux cas, c'est la nature de quelqu'un de prendre plaisir. C'est que quand ils font souffrir quelqu'un, ils sont dans cette situation, ce n'est pas eux qui souffrent. Tu vois, ils sont c'est une assurance que je ne souffre pas. C'est comme quand on est assis dans un fauteuil avec un tchadar, avec un aquapanella chaud, etc. Et on regarde un film dans lequel on torture quelqu'un. On dit « Oh là 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 ». Mais c'est bien. Sinon, pourquoi tu regardes? Tu regardes parce que t'es bien, t'es au chaud, mais lui, il souffre, donc t'es sûr que c'est pas toi, c'est lui. Donc c'est... Juste pour compléter la partie de cette question, est-ce qu'on peut influencer ce genre de gens ou c'est juste comme ça et il n'y a aucun impact positif qui est possible sur ce type de gens? Les gens possédés ou qui sont par leur... Qui ont ce concept d'aimer voir les souffrances des gens souffrir. Autres. Oui. Oui. Bien sûr qu'on peut, mais en fait, l'expérience montre que c'est très difficile de le faire quand la personne est déjà un caractère formé et a déjà une expérience dans le domaine, entre guillemets. Quand il en a déjà fait, il a déjà le goût. Et il a déjà le goût et c'est très difficile de changer. Quand c'est depuis l'enfance, on commence à travailler, etc., etc., etc. Et il a juste l'expérience de passé qui s'oublie petit à petit. Donc, il y a une forte chance qu'on peut faire quelque chose. Mais, comme on a dit, quand c'est déjà quelqu'un qui a déjà cette expérience, ça veut dire qu'il a développé un certain goût, changer ça, c'est très difficile. On peut faire ça seulement si on peut lui donner un autre goût pour la conscience Krishna. Si vous essayez de lui donner un autre goût matériel, par exemple, dire bah, va jouer au billard, par exemple, au foot, etc. Il va aller jouer au billard et il va prendre le ki, il va avoir un très bon outil pour la torture. C'est-à-dire, là, on peut percer le ventre. Ou par exemple, quand il voit les billes, tu vois, il dit, voilà, là, on peut l'enfoncer dans sa bouche comme ça, il ne peut pas plus parler. Ouais. Donc, il va voir partout les situations de cette torture, etc. Seule solution, en fait, c'est lui donner la conscience Krishna. Si on arrive, c'est bon. Comme par exemple, vous voyez, quand il y a même les drogués, etc., qui ont une énorme expérience dans ce domaine, c'est très difficile de leur faire arrêter la drogue. On essaye comme ça, et après, ils retombent de nouveau. C'est très difficile. Seuls 99 des cas, quand on a pu sortir les gens de cette situation, c'est quand on arrive leur... injecter entre guillemets la conscience Krishna. Si ils arrivent à prendre 30%
de conscience Krishna, donc ils peuvent résister à une drogue à 30%. S'ils assimilent à 60% la conscience Krishna, donc c'est comme ça que ça marche. S'ils ne veulent plus, vous ne pouvez pas forcer, petit à petit, ils reviennent de nouveau, à ça, malheureusement. C'est pour ça que la meilleure solution, c'est toujours rester parmi les dévots. Toujours. Par exemple, pratiquement dans toutes les traditions spirituelles, il y avait toujours la pratique de frères et de sœurs, en fait, spirituelles. Quand un frère ou une sœur voyait qu'ils n'arrivent pas à contrôler leur sens, ils demandaient à un frère ou à une sœur de veiller sur eux. Par exemple, si c'était une faiblesse pour la masturbation, il disait que ne me laisse pas jamais aller aux toilettes seul, ne me laisse pas s'enfermer dans ma pièce, etc. Dès que tu vois que je suis seul, ne me laisse pas, reste toujours à côté, veille sur moi. Il demandait en sachant que... Et ça marchait très bien. En fait, ça marchait très bien. Mais quand tu es là et hop, on ne te voit plus, c'est vrai que tu es sorti pour fumer une cigarette, tu ne peux plus résister. C'est pour ça que la société des dévots, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et celui qui ignore en disant « bon, c'est pas grave, aujourd'hui je ne suis pas allé, bon, demain, bon, c'est pas grave, après, oh, le dimanche prochain, bon, c'est pas grave, etc. » Chaque instant compte, parce qu'on peut dérailler à n'importe quel moment. Des fois, on voit les gourous qui sont 30, 50 ans dans la conscience Krishna et puis ils déraillent. Ils déraillent parce que souvent, ils tombent dans une situation de satsanga. Comment les gourous tombent dans la satsanga? C'est qu'ils arrêtent d'avoir l'association avec les dévots plus avancés qu'eux. Vous comprenez? Ils restent toujours avec ses disciples et qui sont pas de bon niveau, voyez, et c'est les disciples qui commencent petit à petit l'influencer, voyez, et ça devient un satsanga petit à petit. C'est pour ça que chaque dévot, même les gourous, ils doivent chercher toujours les personnes plus réalisées qu'eux pour avoir cette association. Sinon, tout le monde peut dérailler facilement. C'est pas comme ça que oui. On peut facilement, par tel ou tel, accident, on peut tomber dans un satsanga. Comme par exemple, quelqu'un vous a offensé, vous dites si c'est comme ça, je viens plus ici, c'est fini. Vous créez tout de suite un satsanga pour vous. Ou par exemple, vous ne parlez pas bien français, ou vous ne connaissez pas certaines règles et prescriptions, ou vous ne connaissez pas bien les shastras, et vous évitez, tout le monde va penser que je ne connais pas bien Srimad Bhagavatam. Non, c'est pour ça qu'on vient, pour connaître, ou autre. Il faut toujours avoir cette sangha, c'est seule solution, parce que certaines pensent aussi que je vais chanter chez moi, je vais écouter les conférences par internet, etc. Je vais étudier chez ma Bhagavatam à la maison, etc. Et puis, tac, et c'est fini. On ne voit plus ces personnes. Regardez, par exemple, vous avez combien de personnes qui venaient ici et on ne les voit plus. Et quand tu te renseignes, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sont complètement en dehors de la conscience Krishna. C'est à cause de ça, parce que pour telle ou telle raison, ils ont arrêté de fréquenter l'association des dévots et ils étaient attirés par autre chose. C'est comme ça. Bon, oui. Merci.
Dernière question. Sur ce même sujet, du coup, par rapport au gourou qui peut tomber dans la satsanga, ça me fait comprendre peut-être qu'il y a satsanga ou asatsanga, c'est relatif. C'est-à-dire que pour une personne, la sangha, ça peut être asatsanga. Par exemple, pour un gourou qui est uniquement avec ses disciples, ça devient un satsanga. Mais pour les disciples, ça reste satsanga. Parce que À partir du moment quand Guru ne monte plus, ça devient Asatsanga. Quand il ne cherche plus à avoir une association de dévots plus qualifiés, il ne cherche plus, ça, pour ses disciples, devient Asatsanga. C'est comme ça. Parce qu'il va supporter certaines choses qu'il ne devait pas supporter. Il va dire, ok, bon, je vais être gentil avec Prativa, sinon elle va arrêter de venir. Donc, Sudevi va arrêter de venir, Jiva, elle va arrêter de venir, qui va payer là? Donc, je vais être gentil. Bon, des fois, Jiva, elle fume des cigarettes, mais ce n'est pas grave. Bon, etc. Bon, Sudevi mange du chocolat, mais ce n'est pas grave. Atmarama, il mange des omelettes ou des crabes. Ce n'est pas grave. Vous comprenez, c'est comme ça que ça se passe. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna.